un pareil chant auparavant. J'avais encore les yeux fermés, et ce son avait la forme d'un précieux diamant. Oui, si un diamant pouvait émettre un son, c'est ce à quoi il ressemblerait. J'ouvris les yeux. Les premières lueurs de l'aube fusaient à travers les rideaux. Sans même y penser, j'ai senti, j'ai su que la lumière est infiniment plus que ce que nous réalisons. Cette douce luminosité filtrée par les rideaux, c'était l'amour lui-même. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis levé, je me suis mis à marcher dans la pièce. Je la reconnaissais et pourtant je savais que je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Tout était frais et comme neuf, un peu comme si tout venait d'être mis au monde. J'ai ramassé quelques objets, un crayon, une bouteille vide, et je m'émerveillais devant la beauté et la vitalité de tout ce qui se trouvait autour de moi. Ce jour-là, j'ai marché dans la ville, totalement fasciné par le miracle de la vie sur terre. C'était comme si je venais de venir au monde. Pendant les 5 mois qui ont suivi, j'ai vécu dans une grande béatitude et une paix profonde. Ensuite, l'intensité a diminué, ou j'avais l'impression peut-être que cet état m'était devenu naturel. Je pouvais encore fonctionner dans le monde, même si je réalisais que rien de ce que je faisais n'aurait pu ajouter quoi que ce soit à ce que j'avais déjà.